Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais répondre à la question comment devenir riche en investissant des petites sommes, donc autrement dit comment se lancer dans l'investissement et réussir à en devenir riche. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et y rejoindre plus d'un millier d'investisseurs malins. C'est parti! Comme tu le vois, je suis pas dans mon endroit habituel. Je suis en ce moment donc à Tel Aviv et l'incubateur qui s'appelle Rise, R-I-S-E, m'a très gentiment prêté cette salle qui est en fait une podcast room. Donc tout est super insonorisé. Donc j'espère que le son sera bon. Et évidemment, si tu es à Tel Aviv, eh ben, va jeter un coup d'œil à l'incubateur Rise si tu cherches un endroit pour bosser. C'est hyper sympa, ils sont très accueillants. Pour donc devenir riche en investissant des petites sommes, il y a trois grands principes que je vois, que je vais t'expliquer, que je vais te détailler ici. Le premier principe, c'est le plus connu, c'est d'utiliser les intérêts composés. Alors, les intérêts composés, c'est connu, mais c'est mal compris. Et donc, le principe est très simple, c'est de réinvestir tes gains. Donc, tout simplement, tu investis 100 euros au bout de quelques semaines, mois, jour, tu as 110 euros, et bien au lieu de prendre tes 10 euros de gains et de les mettre dans ta poche, tu te dis bah, je vais réinvestir ces gains. Donc c'est très connu mais mal compris, il y a énormément de contenu sur internet qui t'explique ça plus en détail, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, et tu peux même aller voir des calculettes, des calculateurs où tu rentres deux types d'investissements avec et sans les intérêts composés et tu verras que la différence elle est absolument énorme. Surtout sur du long terme. Donc les intérêts composés, c'est vraiment sur du long terme que ça joue. Et donc, il faut bien sûr commencer à investir le plus tôt possible. Et ça, c'est une évidence. Une autre façon d'utiliser les intérêts composés, c'est de faire du réemploi total d'une somme. Donc pour te donner un exemple, si tu investis dans un asset A, tu investis quelque part, et disons que tu investis 100 euros et qu'au bout de quelques temps, tu as 120 euros. La technique des intérêts composés te dit, bah, tu laisses tes 100 euros là, tu prends tes 20 euros et tu les réinvestis, soit dans la même chose, soit dans autre chose. Une façon bonne de réinvestir ses gains et d'utiliser les intérêts composés pour aller plus vite, c'est carrément de réinvestir l'ensemble. Donc par exemple, tu avais investi 100, tu as 120, eh bien tu vas sortir l'ensemble de tes 120 et les réinvestir ailleurs dans quelque chose auquel tu crois plus, qui selon toi a plus de potentiel. Donc encore une fois, tu n'utilises pas que les intérêts composés, tu reprends l'ensemble de ta somme, ce qui te permet d'aller plus vite parce que du coup, tu as une plus grosse somme de départ. À condition bien sûr que le nouvel endroit où tu investisses te paraisse plus prometteur, aussi prometteur que le précédent. Sinon bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième règle, c'est tout simplement de ne pas se tromper. Alors, c'est la même chose que la règle de Warren Buffett qui dit, règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Donc, ça paraît con dit comme ça, mais évidemment, moins tu te trompes, moins tu perds d'argent. Et perdre de l'argent, c'est évidemment la pire chose qui puisse t'arriver puisque bah, si tu perds ton argent que tu avais, par exemple, investi 100 euros qui te reste plus que 50, eh bien, tu dois repartir de zéro. Tu dois repartir avec seulement tes 50 ou avec rien du tout si tu as tout perdu. Et au contraire, tu es dans le négatif. Ça va te prendre du temps d'arriver au même endroit. Donc te tromper, c'est évidemment la pire chose qui puisse arriver. Perdre ton argent, c'est la pire chose qui puisse arriver. Évidemment, on ne le sait pas en avance. Donc tu dis, ah bah oui, ne pas se tromper, ok, merci pour rien du tout. Il y a quand même des façons de réduire au maximum son risque. Alors il y a une façon, c'est d'investir dans des trucs extrêmement safe. Et donc ça va faire le lien avec mon point 3 dont je vais venir tout à l'heure. Mais même sur des investissements plus risqués, il y a des façons de se tromper moins souvent. Et c'est tout simplement d'investir dans des endroits qu'on connaît, de se renseigner, d'avoir de l'information. J'observe par exemple, un exemple très concret, moi dans le milieu des startups, où j'investis depuis longtemps et j'ai beaucoup d'expérience de ce milieu-là, ne serait-ce que parce que moi j'ai créé beaucoup de startups. Donc c'est un milieu que je connais bien, que je comprends bien. Eh bien, je me trompe beaucoup moins souvent qu'un certain nombre de personnes, y compris des professionnels du secteur, enfin qui se revendiquent professionnels et qui font effectivement ça de leur métier. Mais ils ont peut-être autant, voire plus d'expérience que moi, mais ils ont des atouts que j'ai pas. Notamment, par exemple, ils l'ont pas vécu de l'intérieur ou ce genre de choses. Donc, il y a des façons de réduire ton risque avec notamment vraiment l'information. L'information, c'est le pouvoir, knowledge is power, hein, on en est tous très conscients. Donc il y a des façons de réduire ton risque pour éviter de te tromper le moins souvent possible. Et puis il y a bien sûr des façons illégales que là pour le coup je te recommande pas, qui sont des délits d'initié. Donc quand je dis réduire, c'est réduire son risque de façon évidemment légale. Enfin, la troisième chose pour gagner de l'argent rapidement avec des petits investissements, c'est d'accepter de faire des investissements très risqués. Donc ça, c'est pour ça que ça fait le lien avec ce que je te disais avant. Une façon de pas se tromper, c'est d'investir sur des trucs qui ont zéro risque. Hein. T'investis t'investis sur le CAC 40. Bon, bah, tu sais que tu vas pas perdre beaucoup, mais ça peut éventuellement se casser la figure et perdre 10-20% quand même en une année. Mais t'investis par exemple sur des obligations à 1%. Grosso modo, t'es sûr qu'il va rien t'arriver. T'es sûr qu'il n'y a pas vraiment de problème. À nouveau d'ailleurs, les obligations peuvent aussi se péter la gueule, mais en gros, t'es safe. Si tu veux t'enrichir,
il faut accepter de prendre des plus grands risques. Donc il faut accepter d'investir sur des trucs hyper risqués où tu pourrais potentiellement perdre ton argent en appliquant la méthode 2, c'est-à-dire d'essayer de réduire ce risque intrinsèquement par l'information, te renseigner, etc. Donc si tu veux, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais je veux pas investir là parce que c'est trop risqué et donc je risque de perdre mon argent. » Il faut que tu acceptes de prendre ce risque puisque dans l'investissement, le risque et la rentabilité sont directement liés. Plus un investissement est risqué, plus il est rentable et plus il est rentable, plus il est risqué. Donc il faut que tu acceptes d'être en mesure de prendre beaucoup de risques. C'est la seule façon de t'enrichir vraiment en investissant. Parce que sinon, eh bien, l'investissement, c'est directement lié à la somme de départ. Et donc, si tu fais des investissements peu risqués, ce sera des investissements peu rentables. Et donc, ça te permettra de faire travailler ton argent pour toi, bien sûr. Mais ce n'est pas ça qui te rendra riche avec un investissement initial faible. Donc, voilà pour les trois règles. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu les appliquais déjà? Est-ce que tu vas les appliquer? Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'oublie pas de mettre un petit like et n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ce serait le quatrième conseil pour réussir tes investissements puisque tous les jours, je te partage une vidéo avec des conseils d'investissement. Il y a déjà plus d'un millier d'abonnés, d'investisseurs malins qui me font confiance. J'espère que tu en feras partie tout de suite et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!